Bonjour à tous et à toutes, c'est Colo, je vous retrouve pour une vidéo découverte sur Shenmue 1, un jeu que j'avais jamais fait, donc voilà pourquoi j'appelle ça découverte. Voilà, je vais vous en parler un tout petit peu et puis on va commencer à jouer. Shenmue, ça a toujours été une série qui m'intriguait, mais malheureusement j'étais beaucoup trop jeune pour y jouer. C'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps et les fans attendaient l'arrivée d'un Shenmue 3 et l'attente était vraiment insoutenable. Et un jour à l'E3 on a eu l'annonce de Shenmue 3 et tout le monde était ah, c'est pas possible, Shenmue 3, voilà. Donc les gens étaient vraiment dingues à l'idée de jouer à Shenmue 3. Bon, le jeu n'est pas encore sorti, mais voilà, c'est quand même bien d'avoir des nouvelles du jeu. Et là, depuis quelques jours, on a eu le remake, plutôt le remaster, de Shenmue 1 et 2 sur PlayStation, qui va nous permettre tout simplement de découvrir en français Shenmue 1 et 2. Et voilà, c'est un jeu vraiment incroyable, car il y a beaucoup de gens qui l'ont fait en japonais, qui n'ont pas compris l'histoire du jeu. Il y a des gens qui ont fait le jeu entièrement en traduction Jap. Et il y a eu des gens aussi, une communauté de gens qui a traduit le jeu pendant de longues années. Et pour comprendre le jeu, il fallait traduire. Donc il y avait des versions de Shenmue qui étaient traduites. Voilà, là on a enfin le jeu en version française. Donc il n'est pas traduit, les voix sont pas en français, mais les sous-titres sont en français et ça c'est quand même vachement cool. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les voix en japonais quand même, c'est le minimum syndical, voilà, japonais. Pour moi c'est hors de question de mettre les voix en anglais, c'est Shenmue quand même, donc voilà, langue du texte, on peut mettre donc en anglais, en allemand ou alors en français. Donc ça c'est quoi? Mode de jeu, mode de texte, mode cinéma, mode Shenmue. On va mettre mode de jeu. Voilà, volume des voix, tout ça c'est bon. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Ok. Et donc, c'est un jeu aussi qui a révolutionné le monde du QTE. Et ça, c'est cool. Allez, nouvelle partie du coup. Leo-san,
ージ。来るな、デオ。もう一度尋ねる。鏡はどこだ。答える気はない。孫明を覚えているな。趙。もう孫で、お前が殺した男の名だ。まさか、お前は。来い。最後は武術家らしく死なせてやる。親父。ありました。親父、友を愛すべき友を持て。親父。Eh ben putain, ça commence bien.
Ok, bon. Alors, apparemment, on peut jouer. Donc, l'intro du jeu, les gars. Je savais déjà les événements en fait. Parce que. À l'époque, il y a Naito qui a fait une vidéo dessus. Donc, Naito, l'un des youtubeurs que j'apprécie le plus. Et il y a également, Hooper. Un autre youtubeur que j'aime énormément. Qui a fait également des vidéos dessus. Donc, l'intro. Je la connaissais déjà. Alors, numéro de téléphone. Okay. Okay. Ok, donc on a un journal. D'accord. Et donc, ça y est, je peux me déplacer. Alors, j'ai entendu dire, dans les différents tests, que le jeu avait le même gameplay que Shenmue 1, mais vraiment pareil, quoi. Il n'a pas été modifié. Donc, on verra bien ce que ça donne. Donc là, on a quoi? L'inventaire, la montre, pour nous montrer l'heure, j'imagine. Le temps qui passe en temps réel. Ok. Collection, donc à mon avis c'est des trucs quoi, enfin ce qu'on pourra collectionner. Ok, technique, d'accord. Ok, donc là on peut sauvegarder, d'accord. Donc là les options. Ok, d'accord. Et là on a quoi? D'accord, là c'est le journal qu'on porte sur nous tout le temps. Ok. D'accord, alors on va voir un petit peu les touches. Là c'est pour sprinter, ok, je peux sprinter comme ça. Ou pas, attendez. Bon. Là on peut avoir une vue FPS, d'accord. Là je peux me retourner, d'accord, comme ça. Ok, et je peux déplacer Ryo soit avec le joystick, soit avec les croix directionnelles, d'accord. Alors. Ok, je peux me coucher apparemment. Là je peux ouvrir le truc. Donc ouais, j'ai vu grâce à la vidéo de Naito que on peut vraiment ouvrir pratiquement tout ce qu'on veut, ça ne sert à rien, mais voilà, un jeu qui date de je ne sais pas combien, on pouvait faire pas mal d'interactions, alors qu'un jeu d'aujourd'hui, on peut plus rien faire, voilà, c'est fou. On peut taper à n'importe quelle porte, c'est vraiment ouf. Ryo-san, mada okite wa? Heiki da yo. Ine-san koso, daijoubu nano ka? Hai. 何かしていないと帰って気がめいて。そうか。でも無理はダメだよ。はい。そうそう。これを今日の分です。明日からは下駄箱の上に置いておきますので。そういえば、福さんは? Oui, donc ça aussi je m'en rappelle grâce à la vidéo de Naito, c'est que il y a la grand-mère ou la mère, je ne sais pas, qui nous apporte tout le temps de l'argent tous les matins.
Et donc là, ben regardez, on peut rentrer où on veut. Voilà, on peut rentrer où on veut et on peut faire pratiquement ce que l'on veut. C'est pas grand-chose, mais vraiment, c'est cool, quoi. Après, bien sûr, c'est pas non plus poussé à l'extrême, mais globalement, c'est pas mal. On peut ouvrir une porte et on peut voir qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Alors qu'il y a beaucoup de jeux d'aujourd'hui où on peut pas faire ça. C'est quand même quelque chose de ouf. Donc là, on voit qu'il y a une porte. Voilà, on peut ouvrir et on peut voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc il n'y a rien, mais on peut voir. C'est des choses quand même que je trouve complètement ouf. Voilà. Pour l'époque, c'est quelque chose de ouf. Donc là, on voit. Attendez, j'ai vu quelque chose. Voilà. On voit une porte ici. Là, je peux l'ouvrir. Voilà. Pas besoin de retourner par là. Vous voyez? De retourner par là. Est-ce que je peux courir ou quoi? Non, je peux pas courir. Ça, c'est un peu dommage. Merde. Excusez-moi, hein, j'essaye toutes les touches. Voilà, pas besoin de retourner par là pour passer par là. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. On peut vraiment aller où on veut. Et ça, c'est quand même quelque chose de ouf, quoi. Donc là, on voit en bas des petits placards. Ine-san, Ryo-san, tsukareta daro. Sukoshi wa yukkuri shinai to. Watakushi wa daijoubu desu. Nani ka shite nai to kaette ki ga meitte. Ine-san rashii na. Demo muri wa dame da yo. Hai. Attendez, je crois qu'on peut ouvrir des placards, mais je suis plus sûr maintenant. Ouais. Bon, en fait, on peut pas. Oh, attendez, j'ai vu quelqu'un là. Ah, bah non, c'est. C'est la grand-mère. Attendez. Ah, pourtant, je crois qu'on pouvait ouvrir les placards. Hein. Ah, il me semble qu'on pouvait ouvrir les placards. Ouais, bon. J'ai peut-être mal vu, mais je me rappelle qu'on pouvait ouvrir les placards, mais bon. Et en fait, quand j'ouvre une porte, il n'y a pas de temps de chargement aussi. Vous voyez? Il n'y a aucun temps de chargement. Ça, c'est quand même quelque chose de fou. Alors qu'aujourd'hui, vous ouvrez une porte, il y a des temps de chargement, des fois, même aujourd'hui. C'est quand même assez fou. Bon voilà, alors on va sortir de là. Je voulais vous montrer, bah, de toute façon je voulais un petit peu voir aussi, hein, vu que c'est ma découverte également, donc bon les gars, je regarde aussi, hein, excusez-moi, mais bon, au bout d'un moment, voilà. Je découvre le jeu en même temps que vous, donc c'est un peu normal que je fouille comme ça, que je regarde comme ça à droite et à gauche. On est loin d'être pressé en plus, donc voilà. C'est une vidéo tranquillou. Ok, on va passer par là. On va revenir par là. C'est quoi ça? Ok. Donc l'heure passe en temps réel, hein. On peut le voir en haut à droite. L'heure passe en temps réel, c'est cool. Donc j'imagine. Putain, par contre, je me perds pas mal. Je suis en train de me perdre. Le mec, il sait pas où est-ce qu'il habite, quoi. Par où on sort? Alors, je ne sais pas si on peut changer les habits de Rio. Ça, je ne sais pas du tout. Attendez, par contre, la mère, elle est partie où? Par là? Sauvegarder aux paramètres. Ok, je peux sauvegarder? Ouais, mais pas la peine de sauvegarder, on est qu'au début du jeu. Aucun intérêt. Donc là, c'est ma chambre, j'imagine. Ok. Et là, c'est pas encore les toilettes, hein. Faut arrêter maintenant. C'est où ça? Ok. Bon les gars, on va sortir et on va voir qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. Donc Rio qui se met
ses chaussures, parce qu'il est poli, il enlève les chaussures à l'intérieur de chez lui. Et là, voilà, aucun temps. Ah si. Ah ouais, mais bon, ouais, bon, après, voilà quoi, c'est pas un long temps de chargement, sérieux. Hein. Il n'est pas très long, hein, vraiment. Et donc, nous voilà à l'extérieur de la ville. De la ville, à l'extérieur du bâtiment, et nous sommes, on va aller en ville. D'abord, on va regarder un petit peu. Est-ce qu'il y a une ambiance sonore ou pas? Parce que j'ai le son hyper bas. Non, j'entends pas d'ambiance sonore. Ok. Je me demande pourquoi il a fallu autant de temps pour refaire Shenmue 1 et 2. Vraiment. C'est fou quand même. Et j'espère que les gens qui ont pris Shenmue 1 et 2 vont le faire déjà et vont acheter Shenmue 3. Réellement. Parce que c'est un jeu qui mérite vraiment d'être acheté. Hein. Shenmue 3, c'est un jeu qui mérite vraiment d'être pris. Donc j'espère que les gens vont l'acheter. Malgré que voilà, on se moque beaucoup des graphismes et tout. Mais moi, je m'en moque quoi. Ce qui compte, c'est vraiment qu'on nous sorte un Shenmue 3 et. Et voilà, et que les gens qui ont fait Shenmue 1 et 2 puissent finir leur jeu, quoi. Voilà, c'est ça. C'est comme si maintenant quelqu'un me disait bientôt il y aura Mass Effect 4. Ben, voilà, quoi. Alors, le dojo, voilà. Il y a quoi là-dedans? Ryo-san, indesuka? Shinpai nai. Sore yori. あの男のことだけど、あの男、ああ、乱帝と呼ばれていたやつだ。親父と何を話してた？鏡をよこせと。俺、その後道場から放り出されて。黒い服のやつらはなんて名乗ってた？それが突然現れて何も。そうか。ありがとう福さん。どんな些細なことでもいい。何か思い出したら教えてくれ。リョウさん、なんでそんなことを。リョウさん、どこに。まさか、あいつらを探しに。あ、やめてください。先生を倒したほどの者たちですよ。俺の目の前で、親父は殺されたんだ。仇は俺が取る。親父のためにしてやれることは、それしかないんだ。Ok, donc ouais, ce jeu c'est un jeu d'enquête, hein. Donc on a tué notre père et le but c'est de retrouver le tueur. Et donc pour ça il faut qu'on enquête, on va un petit peu regarder le dojo. Moi ce que je comprends pas, c'est que un jeu comme Shenmue 1 et 2, Remastered, il y a des doublages, enfin il y a des sous-titres français. Un jeu comme Yakuza, à part le premier, il n'y a pas de sous-titres français. Mais tout est normal, tout est logique. Fuku-san, qu'est-ce que c'est? C'est eux qui sont là. Ryo-san, si tu vas à eux, moi aussi. Non. Pourquoi? C'est pour ça que je ne veux pas perdre des gens importants. Moi, j'ai 15 ans depuis 10 ans. 先生にお世話になったんです。俺にとっても先生は。気持ちは嬉しいが、でも分かってくれ。リョウさん。 OK, alors attendez, il y a un bruit à chaque fois. Est-ce que ça veut dire que j'ai marqué de nouveaux trucs? Ouais, voilà, à mon avis c'est ça. Alors attendez, alors je vais pas vous lire en fait, hein, je vais vous laisser lire. Putain, dire qu'il y a vraiment des malades, des fous, mais enfin des gros fans de ce jeu qui ont traduit le jeu. Et plus de 20 ans plus tard, je crois, hein, 20 ans, ou moins, bon, je sais pas, mais en tout cas plus de 10 ans, il y a un Shenmue Remastered avec des doublages officiels.
Franchement, ça doit pas faire plaisir, quoi. Je sais pas, c'est fou quand même. Il y a des gens qui ont fait ce jeu sans rien comprendre. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer ça, quoi. Il y a des gens, ils ont fait ce jeu et ils ont rien compris. C'est quand même assez fou, quoi. Et maintenant, on doit se dire que voilà, c'est enfin là. C'est quand même quelque chose de dingue. Hein. Voilà, il y a un temps de chargement, mais réellement, il est, voilà, je pense qu'il n'est pas long. Je pense qu'il n'était pas long même sur la version de base de Shenmue. Alors par contre, est-ce que... Ah voilà, ok. En fait, je pouvais pas courir. Là par contre. Ah, il y a le maniement, les gars. Il y a le maniement qui est un peu moyen. Voilà, ça je vous avouerai. Mais bon. On va pardonner ces petits détails. Donc on va aller par là. Parce que oui, on peut aller où on veut dans Shenmue. Voilà, et on peut parler à tout le monde. Il me semble, voilà. Sakurada, os. Kikitai koto ga aru nda. Nanda, aratamatte. Ano hi, kuroi fuku no otoko o minakatta ka? Ano hi? Ah, iya, ore wa mite nai na. Sou ka. Dare ka kuroi fuku no otoko no koto o shitte sou na hito tte? Sou da na. Mishima-san to ka Kondo-san to ka おばちゃんたちならなんか知ってるかもな。ほら、いつも桜ヶ丘の公衆電話のそばでおばちゃんたち立ち話してるじゃん。ああ、あそこでなんか話してるかもしれないぜ。聞いてみるよ。ありがとう。Est-ce qu'il y a une carte? Oui, non mais ça j'ai vu. Pas de souci. Ok, j'ai vu, il y a pas de problème. Oh oui, d'accord, mais attendez.Ah d'accord, putain, mais j'aimerais savoir s'il y a une carte. Peut-être pas. Nakamura. Hazuki-kun. Ano hi no koto da kedo. Ano hi? Ah, ano jiken no hi ne. Hanashi wa Nozomi-chan kara kiita wa. Taihen datta ne. Iya. Ano hi, kuroi fuku no otoko o minakatta ka? Minakatta kedo. Sono hito...Et en fait, je crois que Naito avait dit dans sa vidéo, faut que je la revoie, mais il avait dit que la ville dans laquelle on est, je crois que c'est une vraie ville japonaise. Alors après, je peux pas vous l'affirmer non plus. Voilà, donc là, je peux taper aux portes. Voilà, et peut-être que si je reviens plus tard.Ben, il y aura quelqu'un qui va me répondre, qui va m'ouvrir la porte. Ça, c'est quand même plutôt dingue, quoi. C'est quand même plutôt dingue de se dire une telle chose. Ok, donc là, on peut pas passer. Il y a un mur invisible. Ah, ça, c'est un peu dommage, par contre. Mais bon, après, c'est un vieux jeu, les gars. Moi, franchement, je vous le dis, je joue pour découvrir l'univers Shenmue. Voilà, pas plus.Je vais pas critiquer. Je vais pas faire comme dans la plupart de mes vidéos à critiquer, à dire du mal du jeu. Je vais vraiment découvrir le jeu. Je suis pas là pour. Voilà. C'est un vieux jeu, les gars. C'est un jeu de légende. On peut pas le critiquer. C'est un jeu de légende, Shenmue. C'est un jeu de malade. Donc, oui, je pourrais vous dire ouais, la caméra elle part un peu en couille. Mais je vais pas vous le dire. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc, bon. Je vais pas vous le dire. Graphiquement, voilà. C'est pas non plus incroyable. On voit que c'est vraiment un remaster. De base, il n'a pas été. Voilà, mais je m'en fous. Voilà, je m'en fous. Je joue vraiment pour découvrir Shenmue et pour m'imprégner de ce que je fais et de ce que je vois. Yeah. Ah, Oni-chan da! Nani shiten no? Chotto ne. Yo. Oh, Oni-chan! Yakyu shio! Mata kondo na.外出中かな。OK。Voyez, je pourrais vous dire, putain.
Il court comme une Ferrari, hein, le mec. Mais voilà, je vais pas vous le dire. Je vais pas vous dire des critiques. Voilà, c'est. C'est un vieux jeu, donc bon. Et je sais même pas si ils ont mis des trophées dans le jeu. Oui, ça je me rappelle aussi. Naito l'a dit. Il y aura un chat, je crois. Ou un chien. Ouais, voilà, bah oui, voilà. めぐみのママに内緒にしてくれる?お。じゃあお兄ちゃんには特別に見せてあげるね。めぐみちゃんの猫かい?違うの。この猫ちゃんはね、一人ぼっちなの。一人ぼっち?うん。この間ね、雨の時にね、ママ猫が車にひかれちゃったの。 めぐみのお姉ちゃんが見てたの。大きい黒い車だったんだって。黒い車?すごく怖かったって言ってたよ。めぐみ、お姉ちゃんとね、ママ猫のお墓作ったの。代わりにめぐみが猫ちゃんのママになってあげるんだ。でも、めぐみのママがね、お家で飼っちゃダメだって言うの。それでここで飼ってるのかい? みんなもお手伝いしてくれるんだ。こうた兄ちゃんとね、やすお兄ちゃん、かよちゃんも。そうか。猫ちゃん、元気ないんだ。お腹空いてんのかな? Les gars, cette quête me rappelle tellement une quête de Yakuza 1. C'est fou. Donc là, je peux choisir soit un poisson, soit... Bah non, on va prendre le... Bah oui, quand même. Et je crois qu'on pourra nommer le chat. Voilà. ほこらに煮干しもあったから、あげてごらん。細かく潰してあげれば食べるかもしれない。ああ、オッケー、ouais、bon、ben。じゃあ、今ちょっと急いでるから。ああ、猫ちゃんの名前一緒に考えようよ。ああ、ben、oui、voilà。そうだな。いいの思いついたら、また来るよ。きっとだからね。バイバイ、お兄ちゃん。バイバイ。 Vous savez quoi les gars, je kiffe ce jeu. c'est fou, mais je crois que si j'avais connu ce jeu à l'époque de sa sortie, ça aurait été mon jeu préféré. Non mais je pense vraiment, non mais les gars, je vous dis ça vraiment. Il y a vraiment une ambiance. Après, je crois qu'à l'époque, j'aurais peut-être pas aimé à cause des sous-titres. Il n'y avait pas de français. Peut-être ça qui m'aurait peut-être... voilà. J'aime beaucoup quand un jeu est traduit, voilà, mais réellement, quelle ambiance! Quelle ambiance! Qu'est-ce que. Enfin, je sais pas quoi. Quelle ambiance de fou! Attendez, est-ce qu'il faut que je retourne donner à manger au chat ou pas? Est-ce qu'on va voir, les gars? Est-ce qu'on va voir? Non, je peux pas. Ok, donc je me suis gouré, hein. Donc il fallait donner du poisson. Bon, ben, ok. Je pensais pas. Caresser, parler, regarder. Ah, il a froid. Il a froid. Peut-être une couverture, non? Il n'y a pas une couverture? Oi, genki ka? Ore no koto mo oboete kureta mitai da na. Genki sou da na. On va peut-être aller en ville pour voir si c'est pas un truc pour lui. Je peux te parler à toi aussi? Ok.
On reviendra voir comment va le chat avant la fin de la vidéo, si vous voulez. Mais là, j'aimerais aller en ville. Allez. Pour l'instant, je kiffe, les gars, je kiffe. C'est... Donc voilà, Sakaru Koga, je crois que c'est réellement un nom de ville. Après, je suis pas sûr, les gars. Hein. Je peux pas vous l'affirmer non plus à 100%. Hein. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a en haut, là. Y a-t-il quelqu'un? Hello, my friend. Ouvrez la porte, c'est le GIGN. Ouais, par contre, il y a vraiment personne. Hein. Les gens sont dehors. Bon, après, il fait beau. C'est un peu logique. Ah non. Ok. Peut-être qu'il est malade ou... Est-ce qu'il a noté qu'il a rencontré un chat? Sérieux? Non, il n'a pas noté ça. J'ai vu quelqu'un là-bas. Je suis navré, les gars, hein, si vous n'aimez pas ma façon de jouer, mais encore une fois, c'est ma découverte. Hein, du coup, voilà, je m'en excuse. C'est pas forcément une manière de jouer très appréciée hein, des gens. Ils aiment bien quand on fonce dans le tas, mais Shenmue, c'est vraiment un jeu. Voilà, c'est... C'est un jeu comme ça. Voilà, on parle aux gens, c'est comme ça. C'est chill. Sumimasen. Ah, dame dame. Saikin, tsukare gimi de ne. Anmari hanashi o suru kibun janai nda yo. Ok, lui il peut pas parler. J'ai vu deux femmes là-bas, on ira les voir après. Lusu kana. C'est les deux femmes, je pense, qui ont parlé de l'autre gars. Mishima-san. Ah, Ryo-chan. Jiken no hi, kuroi fuku no otoko o mimasen deshita ka? Eh? Kuroi fuku? Minakatta wa ne. Ja, nani ka kawatta koto wa arimasen deshita ka? Saa, kore to itte. Nan demo ii n desu. Oboete iru koto ga areba. Gomen nasai ne. あの日は天気が悪かったからずっと家にいたのよ。スミヤのおばさんには聞いてみたの？ご近所のこと詳しいわよ。そうですか。Et aussi les gars, il y a un détail que Naito avait dit. Et je crois que c'est vrai, après j'ai pas forcément fait attention depuis le début du jeu. Mais chaque personnage a sa propre tête. Il n'y a pas de clone. C'est-à-dire que chaque habitant... Bah, il a sa propre tête, il a sa propre vie, il a sa propre maison. Je veux dire, voilà, c'est vraiment un truc de fou. C'est que, pour l'époque, je crois que c'était un budget vraiment incroyable. Ah oui, et même ça, je crois que, je m'en souviens, c'était le facteur, je sais pas, ou le, je sais pas ce qu'il fait, lui. Mais voilà, pour l'époque, je crois que ça, c'était le plus gros budget, en somme, c'était pour les visages. Car chaque perso a sa propre tête et son propre charisme. Et ça, pour l'époque, c'est... Enfin, c'est ouf, quoi. C'est ouf. Ah non. Ara, Ryo-chan. Vous voyez, elle, elle a pas la même tête que celle de gauche. Jiken no hi? Kaminari ga natteta hi yo ne? Mite nai wa ne? Sou desu ka. Ano hi... この辺で何か変わったことは別に何もなかったけどこの辺のことはスミヤさんが詳しいわスミヤさんに聞くといいわよそうですか Vous voyez, elle n'a pas la même tête. Ça ne ressemble pas du tout. Voilà. C'est quand même quelque chose de fou. Alors, on va passer par où? Parce que c'est plutôt grand. On va aller par là, allez. On va voir qu'est-ce qu'il y a par là. Il y a un bulldozer. Bulldozer! He's a motherfucking bulldozer! Il n'y a pas de personne. À part un chien qui aboie. Ok, donc là il y a quoi? Vous voyez, je peux taper à n'importe quelle porte. Quand même quelque chose de ouf quoi. C'est pas grand chose les gars, mais pour l'époque, c'est ouf. Voilà.
外出中かな。留守かな。Maison là quoi. Gaist tu kana. Ok. Alors, coucou. Donc là vous voyez? Vous voyez les têtes? C'est pas les mêmes têtes. Voilà. C'est pas du tout les mêmes têtes. Ah bon, après c'est pas non plus des têtes très bien faites, voilà, c'est pas la tête de. La tête de Ryo. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Ara. Gomennasai ne. Doko ka sono hen no omise de kiite kureru? So desu ka. Oh, elle est pas commode elle. Sumiya-san. Ara, Ryo-chan. Jiken no hi, kuroi fuku no otoko o mimasen deshita ka? Kuroi fuku? Neko nara mita kedo. Kuroi neko desu ka? 車にはねられたらしくて、そばで子猫が泣いてるのよ。そういえば、三島さんとこの子まで一緒になって泣いてたわね。そうですか。他に何か変わったことは？そういえば、山岸さんが公園の角で転んで大変だったのよ。急に来た車を避けたとかで、痛そうに腰を押さえて。きっと猫をはねた車よ。よっぽどスピード出してたんでしょうね。そうですか。Donc là, il a dû marquer quelque chose dans le journal. Voilà. Ok. J'ai compris le fonctionnement du jeu. Ok. Ça roule ma poule. Alors, on va aller parler à machin. Si je le trouve. Donc en fait, j'ai bien fait de passer par là au final, hein. Que je peux vous reparler, Mishima-san. Ah, Ryo-chan. Je peux lui reparler. Jiken no hi, kuroi fuku no otoko o mimasen deshita ka? Eh, kuroi fuku? Minakatta wa ne. Ja, nani ka kawatta koto wa arimasen deshita ka? Sa, kore. Nan demo ii desu. Ah, ok. Oboete. Gomennasai ne. Rond, ça me permet de passer les phrases. Ok. Bon, c'est cool. Alors ça aussi je me rappelle de cette histoire de boissons. C'est que apparemment c'est pas les bonnes boissons. Est-ce qu'ils ont corrigé ça? Le Jet Cola, voilà. Alors qu'en fait bien sûr c'est le fameux Coca-Cola. Et ils ont remplacé ça par le Jet Cola. C'est marrant. Vous voyez? Jet Cola. C'est marrant. On va prendre un fameux jet cola. Sympa pour l'écologie, vous avez vu? Il jette bien de la boisson dans la poubelle. C'est pas comme GTA 5 où il jette de la boisson n'importe où. Ah putain. Bon les gars, on va s'arrêter là pour cette découverte, hein, je pense, de Shenmue. Je vous ai montré quelques. Bah, je vous ai montré le début du jeu en fait. Hein. Donc, on va retourner voir le chat. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette petite vidéo découverte de Shenmue. Ah, le chat, on l'avait vu tout à l'heure. Par ici. Je me rappelle bien de mon parcours. Le temps passe en plus, hein. Donc on est le 3 décembre 86. Parce que je me rappelle. Donc, hop, le chat il est ici. Voilà, hop, on va le revoir.
Alors les gars, je vous retrouve après la vidéo pour vous faire la conclusion. Je vous ai fait la conclusion dans la vidéo, comme dans toutes mes vidéos, mais le problème c'est que le ventilateur était vraiment trop à fond. Donc voilà, pourtant, il n'était pas forcément très très fort, il était assez loin de moi, mais vous avez vu, ça a fait du bruit dans la vidéo, et bah, ça m'a dérangé, donc j'imagine que ça vous a également dérangé durant cette vidéo. J'espère du moins que vous avez quand même apprécié Shenmue 1. J'ai essayé de faire de mon mieux pour faire un montage correct et pour vous laisser profiter un maximum du jeu et que le ventilateur ne vous gêne pas trop dans cette vidéo. Donc voilà, allez, portez-vous bien les gars et encore une fois désolé pour ce petit problème. Et j'espère que Shenmue 1 vous aura plu, que cette découverte vous aura plu. Prenez le 2 et prenez le 3 quand le 3 sortira. Voilà, allez, ciao tout le monde, bye bye.